Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et je vais ouvrir ce magnifique tripack Evoli de l'édition épée et bouclier Astre Radieux, une édition EB10, qui est donc une édition qui est sortie le 27 mai 2022. Je vais ouvrir ce tripack et vous faire découvrir les cartes qui sont à l'intérieur d'un tripack que vous pouvez trouver dans le commerce autour de 16 € et dans les meilleurs prix, je dirais. Et après, les prix peuvent monter beaucoup plus, jusqu'à 18, voire 20 €, voire sur Internet. Donc, après, au-delà de 20 € les amis, ça fait très cher. Déjà que à 16 € je trouve que c'est cher. Il faut vraiment avoir un peu de chance, parce qu'il faut avoir un coup de chance pour après, je dirais, être rentable. D'ailleurs, je ferai une vidéo d'analyse de cette ouverture, bien évidemment, comme vous le savez, comme vous pouvez découvrir régulièrement sur ma chaîne, afin de vous faire une idée sur les cotations de ce que j'ai obtenu. Alors, ce tripack, on a ce jeton. Voilà, un magnifique jeton. Hop. Et qu'est-ce qu'on a aussi? La carte promo Evoli. C'est la numéro SWSH 212. Voilà, magnifique carte, je vais la mettre ici. On a une carte pour le JC Online, je vous la donne. Je vous donne le code à la fin de la vidéo. Et on a trois boosters de cette édition Astre Radieux EB10. Alors, c'est le deuxième tripack que j'ouvre. Je ne sais pas si vous avez pu voir les vidéos sur cette nouvelle édition, mais effectivement, j'ai ouvert trois boosters au hasard. Trois boosters sous blister. J'ai eu un Darkrai V-Star. Incroyable. Un gros coup de chance. J'ai ouvert aussi le premier tripack, c'était Tripack Nymphali, qui était plutôt intéressant. Je vous laisse découvrir les vidéos qui sont sur ma chaîne. Et là, c'est ce tripack Evoli. Alors, j'espère avoir des cartes intéressantes pour vous faire découvrir ces nouvelles cartes qui sont incroyables. Allez, c'est parti pour le code pour le JCC Online. Pour ceux qui souhaitent jouer en ligne, c'est gratuit. Après, c'est premier arrivé, premier servi. Voilà. Hop, c'est parti. Alors, on a... Oh, Quillfish de Isui. C'est la commune 88. Alors, comme vous pouvez le voir, en bas à gauche, c'est le nouveau logo. Et vous pouvez voir, il y a 189 cartes, mais il y en a même plus que l'édition, c'est 189 cartes numérotées. Et vous savez, dans les éditions, il y a beaucoup de cartes ultra rares qui complètent les éditions, donc il y en a beaucoup plus que 200. Allez, on a la première. La deuxième carte commune, Chlorobulle, la numéro 15. Goupilou, commune 103. Hippopotas, la commune 79. Hérissandre, la fameuse carte que j'ai eue dans la première vidéo deux fois, en trois boosters, la commune 23. Alors c'est vrai que je ne sais pas combien il y a de communes et de peu communes dans cette édition. 6 cas peu communes, 137, mais c'est vrai que j'en ai eu énormément en double. C'est dommage. Peu communes, 24 fleurissons, c'est des cartes que j'ai déjà eues dans les autres ouvertures. Ah, celle-là, non. Mass Ball de Isui, la peu commune 146. Allez, on arrive à l'énergie, énergie, feu. La reverse maintenant, tac! C'est une rare reverse. Ah, c'est intéressant. Seracrawl de Isui, la rare reverse numéro 48. Toujours intéressant d'avoir des rares reverse, surtout pour la cotation sur le long terme. Et une rare classique, Apiren, la numéro 12. Bon, bah écoutez, intéressant pour ce premier, premier booster. Alors c'est vrai que voilà, les tripacks, c'est aléatoire. Souvent, vous avez pu le voir, j'ai même pas eu de carte ultra rare dans certains tripacks. Là, dans le tripack précédent, on a failli eu une carte ultra rare. Là, c'est pas dit que j'en ai une. C'est vraiment au petit bonheur la chance, hein, quand même. Hein. Allez, le code pour le JCC Online de ce deuxième booster. Hop, c'est gratuit. Et on va découvrir les cartes ensemble. Encore? Alors celle-là, j'ai eu plein de fois dans toutes mes ouvertures, mais bon, c'est comme ça. Oui, je les ai eu souvent hein, quand même. Hein. Alors, la commune 5, un sécateur. Hop, je vais peut-être mettre de côté les quelques cartes qui sortent un peu du lot. Evoli, la commune 119. Scarino, la commune 8. Tedurza, commune 122. Démanta, la commune 34. Peu commune. Oh, c'est quoi ça? Elle est à l'envers celle-là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, ben, il y a des cartes à l'envers. Selena, c'est un dresseur, la peu commune, 138.
Ensuite, Chaffreux. J'ai déjà eu plusieurs fois, effectivement. La peu commune, 128. Créfadet, peu commune, 67. On arrive à la carte Énergie. Donc là, on est à nouveau dans le bon sens. Voilà. La Reverse, tac! Oh, une deuxième rare Reverse, Régieleki. C'est une, la numéro 51. Ah voilà, alors, bon, ça c'est, je pense que j'aurai pas d'ultra rare, effectivement. J'ai quand même deux rares Reverse dans ce tripack. Magnifique, elle est magnifique. Hein. Et la rare classique, aussi! Oh, bah, non mais qu'est-ce que c'est que ce truc de fou? Alors là, les amis, je crois que c'est un tripack de fou. Lino! C'est la numéro 185. Waouh, c'est une full art. Incroyable. Oh les amis, j'ai hâte de voir les cotations de ce truc. Ouh là 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 là. Dedans, bon, c'est vrai que les cotations des rares rivers sont pas top au début, on peut trouver des cartes à 10 centimes. Hein. Mais alors là, voilà, j'ai Lino. Un dresseur de fou à l'intérieur. Oh, et il reste un booster les amis. Bon, je pense que la roue a un peu tourné. La dernière édition EB09, j'arrivais à rien avoir. C'était une catastrophe. Là, j'ai déjà découvert un Dark Rive Star, une carte ultra rare. Bon, ça, c'est du classique. Et Lino en dresseur. Là, les amis, j'ai hâte d'aller voir les cotations et de vous présenter les vidéos d'analyse de cette ouverture. Allez, le troisième booster. Voici le code pour le JCC Online. Et je vous donnerai le dernier code, bien sûr, à la fin de la vidéo, comme je le fais d'habitude. Bon, là, il faut s'assurer qu'il n'y aura pas grand-chose, ça, c'est sûr. Mais on ne sait jamais, on ne sait jamais. Est-ce que ça ne sera pas un truc de fou? Tedurza, la commune 122. Farfuret de Isui, la commune 92. Feu Forêt, commune 58. Alors, voilà, j'ai constaté quand même, tout au long de ces trois ouvertures, que j'avais énormément de cartes en double, beaucoup plus qu'à la normale. Mais alors, je veux vous dire que si à chaque fois que j'ai autant de cartes en double, j'ai autant de belles cartes en même temps, je suis preneur. Hein. Feu Forêt, la commune 58, effectivement, je me retrouve avec 4 fois les mêmes cartes. J'ai plein de communes que j'ai eu 3 fois ou 4 fois, hein. Même des peu communes. Hein. Barloche, la commune 35. Un sécateur, alors celle-là, je crois que c'est le record. C'est-à-dire qu'en 3 ouvertures, en 9 boosters, j'ai dû l'avoir 6 ou 7 fois. Bon, mais ça, mais il faut le faire quand même, c'est incroyable. C'est la commune numéro 5. Sika, ah ben celui-là j'ai dû avoir 3 fois aussi, 3-4 fois. Peu commune numéro 137, ok. Yann Mega aussi, la peu commune numéro 7. Ou alors, il y a très peu de peu communes et de communes, c'est-à-dire sur les 189, il y en a que 50 ou 40, je sais pas, au total. Et c'est pour ça qu'on les a plein formes à ce moment-là, quand même. C'est pas incroyable. Et Marais Bouche B, que j'ai eu en version, dans une autre vidéo, en version folle, que j'ai eu aussi en version normale déjà. C'est la numéro 142. Bah, écoutez, on change pas, ces ouvertures sont très étranges. Énergie combat. La reverse. Pijaco, une commune reverse, la 129. C'est, effectivement, celle-là, je ne l'avais pas eue. Pourquoi il y en a que j'ai 5 fois et certaines que j'ai pas du tout? Ça, c'est quand même étrange. Et la dernière carte, les amis, de ce tripack, Evoli, de la nouvelle édition. Donc, cette édition Astre Radieux, EB10, épée bouclier 10. Allez, la dernière carte, tac. Et en plus, j'ai une holo rare, Bastiodon, la numéro 110. Eh ben écoutez, alors là, bon, les amis, bah, je suis preneur, c'est pas grave si j'ai des cartes 5 fois, 6 fois, comme j'ai eu, c'est n'importe quoi. Si derrière, j'ai autant de belles cartes, franchement, c'est top. Alors là, dans ce tripack, j'ai eu un dresseur ultra rare, Lino, full art. J'ai eu 2 cartes rares reverse, Régieleki et Seracrawl de Isui, et une holo rare Bastiodon. Donc effectivement, sur le court terme, ces cartes-là ne sont pas forcément super cotées. Le dresseur Lino, j'irai voir. Je vais vous donner tout dans la vidéo d'analyse de cette ouverture. Alors là, ça vaut le coup, je pense, de savoir un petit peu que valent ces cartes-là. Donc c'est top. Et les amis, je vous donne le dernier code pour le JCC Online. Pour ceux qui souhaitent le récupérer. Et je vous dis rendez-vous dans la vidéo d'analyse de cette ouverture. Voilà les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.